Le saviez-vous? Deux témoignages de survivants d'événements historiques. Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la Première Guerre mondiale. Vous en voulez encore aux Allemands? On les avait devant nous. Ils nous tiraient dessus. Nous, on leur tirait dessus. Ils nous avaient jamais fait de mal. Nous non plus. Et eux non plus. Nous faisaient jamais de mal. Seulement, on se battait. Ça se voit. Pourquoi? Lazare Ponticelli est décédé en 2008 à l'âge de 110 ans et était le dernier vétéran français de la Première Guerre mondiale. Hubert Germain, résistant français ayant rejoint les forces de libération. Le règne de résistance a été un peu grossier, je veux dire, a été gendarme du gouvernement français. J'avais choisi entre De Gaulle et Pétain, j'ai préféré De Gaulle. Hubert Germain était le dernier résistant français, il est décédé en 2021.